Well, I'm standing and I'll stand all the night. Heavy and light, my hopeless glass, and my inside is so tight. Fool, I've been to let you in, that gun in your hand for me. Cool, you can be sure I try to remain. Je suis quand même plutôt d'une nature spontanée, et puis j'ai envie de me donner des challenges, et la plupart du temps j'ai peur, mais j'ai peur 5 minutes. Alors tu as 27 ans et tu es à la tête d'une société qui conseille les grandes entreprises sur l'innovation et la créativité. Comment tu en es arrivée là? C'est la résultante d'un long cheminement avec des études assez longues et des expériences professionnelles très diverses et variées, où je me suis rendu compte que la seule façon possible pour moi de m'épanouir, c'était de créer ma propre structure avec mes propres règles, de transformer ma personnalité en avantage compétitif. Pour pas me retrouver coincée dans une entreprise avec des process, des valeurs, des modèles managériaux qui ne me correspondaient pas. J'ai commencé par l'école du cirque, où je voulais être trapéziste. Et d'ailleurs, l'idée ne m'a pas quittée, puisque l'extraordinaire chance de monter sa boîte, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Et qu'en l'occurrence, on fait de l'événementiel, et dès qu'on peut, on y met des circassiens. Donc c'est une façon de relier mes deux passions. Et ensuite, je suis allée à la fac de droit, à Sciences Po Paris, à l'ESSEC et enfin à la Bocconi. Et à chaque fois, j'ai eu des expériences professionnelles très très différentes, que ça soit en politique, que ça soit en marketing, en stratégie, dans des petites structures ou dans des structures gigantesques. Et la conséquence de ces 8 années d'études, c'est que je ne me suis jamais autant épanouie et sentie bien que quand j'ai créé mon association il y a 3 ans, qui s'appelle WomanUp, qui en fait est une aventure entrepreneuriale qui ne dit pas son nom, puisque on est quand même une équipe de 20 et ça tourne exactement comme une start-up, avec l'extraordinaire liberté de n'avoir aucun enjeu financier. Et cette association, en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier pour me rendre compte que, un, la vie était trop courte pour rentrer dans des cadres et faire plaisir, et faire plaisir en faisant ce qu'on attend de nous. Et que, deux, la meilleure façon pour moi de me réaliser, c'était d'aller au bout de mes envies, au bout de mes idées, au bout de mes engagements, puisque finalement, le trait d'union, le point commun entre l'association et l'entreprise, c'est la notion d'engagement. Et c'était donc de créer une structure, la mienne. The Boson Project, ça signifie quoi déjà? Et ça s'adresse à qui? Alors, The Boson Project, c'est une entreprise qui est en fait un laboratoire de développement du capital humain. Pourquoi The Boson Project? The Boson pour boson de Higgs, particule élémentaire de l'univers. En fait, quand on a créé l'entreprise, c'était au moment de la découverte du boson de Higgs. Et c'était aussi au moment où on a formalisé notre proposition commerciale et on s'est rendu compte que nous, on avait envie de bosser sur les gens, plus précisément sur les jeunes, mais sur les gens avant tout. Et que finalement, il y avait une belle adéquation entre le boson de Higgs, scientifiquement et physiquement parlant, et puis le boson des entreprises. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, le boson de Higgs a 3 caractéristiques. En dessous de lui, il n'y a rien. C'est à partir de lui que tout se crée. Et un boson n'est rien à lui seul. Ça n'est qu'un agrégateur d'autres particules. Et quand on a commencé à bosser dans le capital humain, on s'est aperçu qu'on bossait sur les bosons des entreprises, donc les gens. En dessous d'eux, il n'y a rien. C'est à partir d'eux que tout se crée. Et une personne toute seule ne pourra jamais faire muter ou faire bouger les entreprises de l'intérieur. Ce n'est que par l'interaction avec autrui qu'on fait évoluer les modèles managériaux, organisationnels ou stratégiques. Donc on a décidé de s'appeler The Boson Project pour cette raison, aussi parce que ça faisait écho à The Blair Witch Project, on a trouvé ça cool, et la Big Bang Theory, on a trouvé ça cool aussi. Donc voilà. C'est une entreprise engagée qui repose sur une conviction très forte, celle qu'on est à l'aune d'une nouvelle ère et que les grandes entreprises vont devoir muter. Nous, on a une idée très précise, on pense que ce qu'on appelle la génération Y, plus globalement le phénomène Y, c'est un, au-delà des aspects managériaux et ressources humaines et des difficultés rencontrées à manager cette génération, c'est le symptôme d'une remise en cause très profonde de ces modèles traditionnels d'entreprise. Et que finalement, cette jeunesse qui pose autant de problèmes, ces générations si particulières qu'on comprend si mal, il faut la voir non pas comme un problème, mais comme une solution, une clé de mutation de ces organisations. Parce que finalement, d'un point de vue très macro, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, mais qu'on ne comprend pas, en tout cas qu'on n'explicite pas de cette manière, c'est l'entrée en collision de deux choses très différentes. Les grosses structures qui sont l'émanation d'un ancien monde qui était instable, qui était fermé. Et ça rentre en collision avec la génération Y, elle est l'émanation du monde de 2013. Donc d'un monde ouvert, d'un monde rapide, d'un monde instable, d'un monde interconnecté, d'un monde transparent. Et donc,
L'idée, c'est d'intégrer la génération Y au management des plus grandes que entreprises. Ça, en fait. Ouais. C'est plus que ça. L'idée, c'est de capitaliser sur cette génération, sur ses aspirations, son comportement, ses valeurs, pour transformer les structures à trois niveaux, au niveau managérial, au niveau organisationnel. Et là, ça passe notamment par la mise en place de pépinières internes, puisque cette génération a une caractéristique, c'est une génération plus d'intrapreneurs que d'entrepreneurs au niveau stratégique. Ce dernier niveau, il est primordial, puisqu'on parle là finalement du rôle de l'entreprise dans la société. Et cette génération Y, qui s'appelle Y pour Y, bon, ça c'est marketing, c'est galvaudé, tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que c'est quand même une génération qui est très en recherche de sens. Et ça fait écho au monde dans lequel on vit, où on se dit, est-ce qu'on marche pas un petit peu sur la tête? Qui sont tes clients? Justement, est-ce que tu peux citer des noms, des secteurs, le type de mission que tu fais pour eux? Plutôt des grosses entreprises, mais pas que. Dans des secteurs très divers. Ça dépend, en fait, il y a des entreprises qui ont des difficultés d'attraction et de rétention des talents de cette génération. Et qui, du coup, nous appellent à la rescousse en disant, bah, vous qui êtes de cette génération, venez donc m'expliquer, je ne comprends pas. On a des entreprises qui ont une vision un peu plus stratosphérique des choses et qui nous disent effectivement, il va falloir qu'on transforme notre business model sous l'impulsion de cette génération. Il y a à la tête de ces entreprises des grands patrons qui sont charismatiques, ouverts, visionnaires et particulièrement humains. Comme quoi ça existe, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et qui savent, qui sont très conscients de la révolution douce qui est en train de se passer dans leurs entreprises. Comment, quand on est une femme jeune et belle, on convainc les grandes entreprises d'acheter ses services? Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, je me la suis posée 30 secondes. Tout au début, la première fois que je suis allée voir un prospect. Et en fait, je me la suis plus jamais posée parce qu'elle ne s'est jamais posée. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que je sois particulièrement convaincante, que le discours soit bien rodé. À mon avis, c'est pas ça. C'est plutôt le fait que ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est ressenti au sein des entreprises, de manière très criante. Contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on voit dans les médias, on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de grands patrons qui sont visionnaires. Et donc, je commence une phrase, il la termine, parce que tout ce que je viens de vous dire, ils le savent déjà et qu'ils l'ont observé. Voilà. Alors, tu oses être toi, pleinement au quotidien. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y a un revers de la médaille aussi. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Ouais, alors oser être soi, et je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et moi je me suis vraiment posé la question un jour où être moi était un problème. Être moi était un problème parce que j'étais complètement différente des gens avec lesquels je travaillais. En quoi tu étais différente? J'étais différente parce que j'étais trop spontanée, trop naturelle, j'étais too much. Ouais, j'étais too much. Tu rentrais pas dans le moule. J'étais too much, je disais trop de gros mots, j'étais trop spontanée, j'étais... À ce moment-là de ma vie, j'ai rencontré, de ma petite vie et courte vie et très humble vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, en fait, t'as une personnalité qui est hors norme, mais au premier sens du terme. Plutôt que d'essayer de la cloisonner, transformer, formater, essaye de la transformer en avantage compétitif. Et c'est exactement ce que j'ai fait, en créant une association, en créant une entreprise, dont finalement le principal actif, ce sont nos valeurs. Et c'est notre personnalité. D'ailleurs, ça, soit dit en passant, c'est un truc plutôt cool parce que ça évite d'avoir des concurrents. Parce qu'en fait, on n'a pas de concurrents. Dans la mesure où quelqu'un qui va venir nous demander de faire quelque chose, il le fait parce que c'est nous et il le fait pas parce que c'est le voisin. Et ça n'est pas réplicable et ça n'est pas duplicable puisque c'est nos idées, notre personnalité, notre enthousiasme, notre énergie, nos valeurs, notre sourire, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que c'est génial d'oser être soi. Pourquoi est-ce que c'est moins génial d'oser être soi? Parce que c'est aussi un vrai sujet. C'est que quand le soi en question est imposant, qui prend de la place, que voilà, on parle, on est visible, on a un tout petit peu de charisme, on a un peu de leadership, on a des idées, on a des envies, on va de l'avant, bref, on est un bulldozer, et qu'on prend la lumière, forcément quand on prend la lumière, on donne de l'ombre, ça c'est un peu le principe. Et donc je pense que oser être soi, c'est bien, mais c'est aussi très difficile pour les gens qui sont autour de nous, quand le soi, il est particulièrement imposant. Et soi, on prend la place qu'on croit devoir prendre et il faut trouver des gens qui acceptent ça. Et qu'est-ce qui te permet de garder ton cap, justement, quand c'est difficile? C'est que justement, cette difficulté à bien s'entourer, elle a un corollaire qui est très positif, c'est que quand on sait le faire, quand on a des gens, des vrais soutiens, c'est des garants d'un cap qui est maintenu ad vitam aeternam.
Et en l'occurrence, j'ai autour de moi des gens qui sont fantastiques et qui m'apprécient pour ce que je suis vraiment et qui me poussent à aller dans ce sens. Et c'est eux mes moteurs. Parce que moi, je crois beaucoup au fait qu'en fait, on se réalise non pas à travers ses yeux à soi, mais à travers les yeux des autres. Bien sûr. Plusieurs fois, tu as parlé dans tes interviews d'être clivant. Oui. Pour ne pas être un copycat, d'oser la rupture. Ouais. Alors, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs en ce sens ? Alors, ça, c'est un truc perso. Je ne sais pas si c'est une règle absolue. Non, parce que c'est un truc que c'est la tienne, en tout cas. C'est voilà, la tienne et je ça marche. D'accord, donc ça nous intéresse. J'ai deux règles, en fait. Ma première règle, c'est sky is the limit. Rien n'est impossible. Mm-hmm. Avant que ça ait totalement échoué et que ça soit la vente intégrale. Et la deuxième règle, c'est effectivement d'être client. Alors, de toute façon, moi, j'ai une personnalité cliente. Donc, soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, ça. Et ça, c'est depuis toujours, j'imagine. Voilà. Et donc, ça rejoint ce qu'on se disait. Comment faire de sa personnalité un avantage compétitif ? En l'occurrence, être clivant, ça permet de rester dans la tête des gens. Et ça, c'est juste primordial quand on fait du conseil. C'est primordial quand on monte une boîte. C'est primordial quand on a des idées, des ambitions, quand on veut s'inscrire dans la mémoire de ses interlocuteurs. En France, on n'aime pas le consensus. On a pas cette bien culture. Qu'on le recherche. On le recherche et en même temps, je pense que ça nous rassure et on le fuit. Voilà. On le recherche par idéologie parce qu'on dit que ça serait quand même mieux. En même temps, on le fuit parce que je suis pas certaine que ça soit vraiment dans la culture, le consensus. Donc en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand c'est chaud ou froid, quand c'est noir ou blanc, mais pas quand c'est au milieu, pas quand c'est smooth, pas quand c'est transparent, pas quand c'est voilà. Donc moi, je suis clivante. J'aurais pu me dire, il faudrait que j'arrondisse les angles, voilà, parce que ça sera mieux. Non, en fait, j'ai choisi de rester comme ça. Et finalement, ça marche bien. Donc des fois, ça casse, évidemment, c'est le principe. Mais, mais au moins, l'extraordinaire avantage, c'est que quand les gens m'apprécient, et je pense notamment à des clients avec lesquels j'ai tissé des véritables relations d'amitié, ils m'apprécient vraiment pour ce que je suis. Et donc, il n'y a pas de jeu de dupe, il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a rien, quoi. C'est hyper sain et c'est super facile pour moi, finalement. Voilà. Et puis gratifiant, du coup, de bosser dans ces conditions. Et puis c'est gratifiant. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. C'est gratifiant. Ouais. Ouais. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire ? Le luxe d'être toi, c'est quoi ? Le luxe d'être moi, c'est d'avoir mis un perfecto à clous aux universités d'été du MEDEF. Waouh ! On s'est souvenu de toi, forcément. C'est ça, mon X. Ouais. Merci. J'ai vu que tu avais un très beau pantalon. Ah, merci. Un trou, quoi. Qui est vert, en fait. Ouais, avec des trous. Hein. Qui est vert et qui est troué, voilà. Donc, j'ai montré les trous, voilà. Et tu vas en rendez-vous. Et tu vas en rendez-vous comme ça. Oui. Super. Oui, que j'ai assorti à mes boucles d'oreilles. Voilà.